fait une super randonnée où en fait on met tous 15 balles et on est à la fin, la personne qui a tenu le plus longtemps, bah, elle gagne tout l'argent. Ouais, et du coup voilà, et ouais, ok, ok, là, tu coupes, là, tu coupes. Mec, il y a quoi là-bas? Oh, mec, je sais pas si c'est what the fuck, gros. Henry Louray. Point fort, il s'est renseigné de fou sur comment on survit en nature, il s'est respiré. il s'est respiré sous l'eau glacée. Il s'est respiré sous l'eau glacée. Si jamais il y a de l'eau glacée, il peut respirer. Point faible, il voit pas sur les côtés. Tu peux te prendre une branche à tout moment. Ok, Louis Bolt. J'ai pas du rap conscient, non. J'ai pas du rap conscient, non. Point fort. Louis Berger. C'est le Pokémon. Il est mec, il est trop bon. Ok. Point fort de Louis Berger. Il est pauvre. Il est pauvre, il a vraiment besoin d'argent. Du coup, il a la déterre. Point faible de Louis Berger. Déjà, c'est point fort. Ouais. Non, je sais pas, t'as d'autres points forts, Louis Berger? Ouais, mais il a des grosses cuisses. Il a des grosses cuisses, sa race. Grosses cuisses. Grosses cuisses. Les points faibles de l'argent. Non, bah ouais, mais c'est au moins j'ai pas chaud, tu vois. Ouais, j'ai mais. J'ai un pantalon dans mon sac. Ah, ok, mais j'ai. Bon, c'est pas. Point fort, il a un pantalon dans son sac. Ok, mais Arthur Sauvage. Point fort, la taille. La taille, il a des grosses jambes, ça rase. Il est immense, mec. Il va avoir ses jambes là. Il est hyper lax. De loin, il peut faire éventail. Il est hyper lax, il peut. Attends, il est hyper lax, il peut pas avoir d'entorse. Oh. Et point faible, je pense que tu. Point faible, je pense que tu manques de volontaire, tu vois. Comme ça, les gars, on fait un projet de randonnée. Je pense que tu manques de volonté, toi, par rapport aux autres. Je pense vraiment que t'es celui avec le moins de volonté ici. Les gars, enfin, à part Guillaume, mais Guillaume il joue pas. Ouais, c'est ça. Éloire. Ok, ok. Point fort, c'est un gros observateur. Il est complètement taré, il va faire des trucs. Il connaît les fruits. Ouais, il connaît les fruits, il connaît des trucs dans la nature. Il a un chapeau. Il a notre roue. Il a un étendard. Point faible, il a mal aux genoux et il a des chaussures de merde. Ok, et enfin. Ouais, c'est vrai, toi non plus t'as pas de thune, toi aussi tu vas voir. Ça marche surtout pour lui en vrai, moi j'ai déjà tapé genre. C'est vrai que loin tu vas avoir vachement à déterre. Dans l'esprit collectif, c'est toujours un truc, mais en vrai, ça. Ok, ok. André Loukianov. Ouais, c'est moi qui crée le projet, mais ça n'a pas l'air que je vais être motivé en vrai. Une force de persuasion mentale qui est très forte, mais avec une force de 1 sur 2, c'est-à-dire qu'un coup sur 2, tu manipules pas mal, un coup sur 2, ça sert à rien. Ouais, point faible, j'ai mal aux jambes, j'ai des chaussures de merde et je suis riche. Attends, attends, Guillaume, même si tu participes pas, on fait tes points forts et tes points faibles. Guillaume! Je suis assez intelligent pour pas parier. Ok. Voilà. Et ton point faible? Il aura ça, mais il va gagner quand même. Allez, à plus tard. On update quand il y a des trucs intéressants. C'est pas une photo, c'est une vidéo. On est à peu près une heure plus tard et la problématique c'est que là il y a des voitures qui longent en plein milieu du champ. Faites un point là-bas. Alors nous on est en plein milieu d'un champ dans lequel on devrait pas être de base. Du coup il y a moins qu'on se fasse engueuler vite fait. Oui, c'est un abruti, il a mis ses Mirabelles dans la même poche où il a mis genre son tabac, ses feuilles et tout. Puis il a mis des pommes en plus, du coup ils ont bien écrasé. Intactes elles sont celles-là. Celles d'Henry sont intactes. Magnifique. Ok, pas parce qu'on a ramassé les Mirabelles sur la route, mais genre c'était le pire bail. C'est vrai, on a réussi à sauver quelques feuilles. De toute façon, le but de la randonnée, c'est pas la bédave. C'est Loi qui est choqué quand je dis ça. Du coup, il y a Guillaume qui a décidé de partir après environ. Après 1h30 de marche, Guillaume qui arrive à rien parler de toute façon.
Et donc, qui est le premier d'entre nous à nous abandonner, on est au bord de la route. Non, en vrai, c'est moi qui vous abandonne. C'est moi qui essaie de vous aider. Doit être à genre, je sais pas, 2 km de chez toi. Non, en fait, 3, 4, 4. T'as un mot à dire pour le départ de Guillaume. Je suis triste. Ah, mais je pars par là-bas. T'as un mot à dire pour le départ de Guillaume. On est tous très tristes. On est du fond de nous, on sait pas. Moi, il m'a légué son bâton, donc. Eloi, t'as un mot à dire pour le départ de Guillaume? Guillaume, t'as un mot à dire pour son départ? Ça me fait mal au cœur de devoir vous laisser. Ce bon plan montre la douleur qui est présente au fond de mon âme. Car les yeux, c'est le reflet de l'âme. Une forêt. J'avoue qu'en vrai, Seine-et-Marne, ça va pas être le meilleur bail, quoi. Ouais, parce qu'on se retrouve face à une ligne avec un chemin de fer là. Du coup, et ben, on sait pas trop comment la traverser, sachant qu'il y a genre des barrières. Ok, vous imaginez un champ ennemi, de là. Ça maintenant. C'est un chardon ça? Ouais. Alors. Ouais, c'est mauvais. Là. Ouais, il lui a coupé la tête. T'as juste détruit le truc quoi, genre. Mais elle est ma partie le truc. Bah, ouais. C'est une technique. Tu es sur moi? Non. On la garde, ça fait une défense. Les gars, j'ai le drapeau de... Oh, ça s'appelle... du Pays Galles. Ils ont un chardon sur leur drapeau. Ouais, ils ont un chardon sur leur drapeau. Mais oui, mais c'est pas un chardon de drapeau, quoi. Non, c'est pas un chardon de drapeau, c'est vrai, là j'abuse. Bon. Ah. Les gars, vous voulez une catapulte à charbon? Non, merci gros. Là, genre là, comme ça. On passe ici. Ah, il y a même un petit pont. Oh, il y a un petit pont pâté. Oui. Ok, on est arrivé de l'autre côté. On va essayer de traverser. Là, c'était le point d'eau qu'on voyait là. Donc c'était une propriété privée depuis le début, le bail où on était, c'est pas grave. Des indications très claires que nous avons trouvées sur les bâtiments locaux, on peut situer. Nous sommes donc à droite de Paris et à gauche de Lyon. On a trouvé un putain de pont qui va sur une île bizarre. André, tu filmes là? Ouais, je filme. Au bruit, on risque la mort. Au bruit, on risque la mort quand même. Il y a une petite maison là, on sait pas où on est en plein milieu. Ouais. Moi je le tente très bien, mais mon iPhone. C'est moi qui ai ton iPhone. Pas pour nous, ouais. Chaque pas est très attentionné. Oh putain, la sueur du dos. Incroyable. Il est arrivé. Ouais, je pense que c'est vraiment le pire de l'île. L'île en elle-même a pu la merde, mais je comprends pas pourquoi ils ont mis un pont. Pour pêcher, je pense. Pour pêcher, hein. Pas trop mieux. Attends, ouais, il y a une maison là. C'est la rue de Paris, ça, apparemment. Ça a l'air abandonné, par contre. Je vous, c'est la rue de Paris. Oh, bâtard. Oh mon dieu. Il y a un piano? Non, c'est... Ah non, c'est un piano. Ah ouais, c'est ça. Et c'est magnifique, il y a un piano. T'imagines, il y a quelqu'un. En vrai, il y a probablement quelqu'un qui... Attends, il y a peut-être de l'eau courante ici. Il y a un peu comme ça, mais... Bah non, ouais. Je vais une autre de... 4...
Il y a des cartes. Il y a des cartes. Comité de bridge. Oh putain, c'est un mec riche. Comité de bridge de la vallée de la Marne. Bah non, c'est pas un mec riche, le comité de bridge. Juste c'est des petits vieux, ils vont faire des bougies ici. Ma grand-mère, c'est ça. C'est pas en mode, les gars. Des bougies. Les gars, on se prend une pioche ici. Mm-hmm. Oh, d'où pour le soir. Ouais. On a une note là-bas. Ah oui, c'est ça. Allons là-bas, là, il y a un grillage. Les gars, c'est trop satisfaisant comme surface. C'est un tir gratté, genre. Tu ah ouais. C'est ça, je suis satisfait. L'argenté. Bien, c'est bête. Ouais, mais il est pété maintenant. Mais... Note le nom, prends le nom comme ça on pourra écouter après. Ray... Herman. D'autres ? Il y a d'autres vinyles encore. Comment ? Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Mec, qui a jamais rêvé de pouvoir faire du frisbee avec un moi, putain de. J'ai jamais fait frisbee avec un vinyle, mec. Ah, moi non plus. Déjà, j'ai rarement touché un vinyle. Moi aussi, je crois que c'est la première fois que j'en touche un. Ouais, bonne mesure. Ça, c'est l'air de. T'as pas du tout là, gros. Ah, mec, c'était non. Sûr. Première explosion de vinyle. C'est pas ça problème. Que j'avais oublié que c'était fragile. Les gars, on sort du passé là. Ouais, c'est crevé un peu. Ça coûte bien, ça. Je pense que mec, il y a un mec. Non, vas-y. Il y a un mec. Il y a un mec. Oui. Bienvenue dans le clan des Uruguru. Et ça, c'est notre arme principale. Quand tu veux, mec. Allumé. Tiens, go. Ah, c'est si mal lancé. Ah, c'était... Il a pété. On a tous très très faim. On a peu à manger. On va se trouver un spot plus tard dans la soirée pour manger le peu qui nous reste. Je crois qu'on a genre tout 2 sandwichs, un paquet de noix de cajou, un paquet de pistaches, du chocolat, des céréales, 2 oranges et quelques fruits qu'on a ramassés sur route. En vrai ça va, mais le truc c'est tenir toute la nuit avec ça, ça va être pas fou. Ça c'est genre un jour pour nous. On a traversé un grillage pour entrer dans une autre ferme, notre propriété privée. Il y a Louis qui essaie de se cacher devant pour essayer de me faire peur, mais je le vois très clairement. Il est juste là. Hey. Alors, on vient de sortir de la ferme avec la propriété privée, j'ai pas beaucoup filmé dedans, mais on a ramassé énormément de murs. Non, c'est pas mal hein. Genre vraiment beaucoup, parce qu'on avait très très faim et on s'était dit que ça nous ferait de la réserve. Il me reste un pétard là. Et j'ai ma petite mèche là-dedans. Troisième, je savais que tu voulais. Non, gâche pas ça. Gâche pas ça gros, c'est un amusant. Ce serait pas un gâchis si c'était une grosse explosion les gars. Là, on est en train de marcher, il est 20h50. Ouais, on est à la grande commune, à 1 km. Oh oui! Yes! On est trop chaud. La grande commune! Tout va être fermé, bande de cons. Ah, j'avoue, il tire pas. Les gars, s'il y a un restaurant, on y va, genre il y en a un qui passe et il prend des bouts de pain quelque part. Ça. Moi, je peux pas faire des trucs sans être derrière mes caméras. Ma caméra, c'est un peu ma façon de me protéger face au monde. Ouais, c'est ça, une excuse. Genre, je suis là, je suis à travers, je vois la vie à travers un écran. T'as un écran, mais tu n'es pas participatif. C'est ça. Je ne suis que spectateur de ma propre vie. Franchement, c'est riche ça. Ça passe sous sa cage. On pille. Ça, c'est riche. On pille. Ça, c'est ça, ça part sur la. Ça, ça part sur la conquête du pain là. Imagine, on tombe sur un passionné du pain, genre il a un moulin derrière. Oh ouais. Et il nous amène, il nous montre genre des bons pains de campagne, genre super bons comme ça. Et il nous en fait faire et tout, il nous parle passionnément, on nous en mangeait, tu sais, nous on est là mode. En mode vieux mec. Tente toujours hein. Du coup ils vont être convaincus qu'on a besoin de manger. C'est pas mal ça. Franchement moi je veux bien mourir aussi hein. On est arrivé à la grande commune qui au final est une genre de propriété privée de merde. Car rien n'est gratuit. Non, 0%. 0%. 0%.
Alors, je pense qu'il faut abandonner toute idée d'obtenir plus de bouffe par... On dit le capitalisme, c'est chiant, mais si on était plus capitaliste que ça, il y aurait un McDo, là. Et qu'on se résoudre à récolter de la bouffe. Ou chasser. Ou chasser, ouais. Mais bon, ça c'est pour les non-véganes. On a trouvé un coin sympa là, on peut essayer de grailler. Et sur leur petite pancarte là, ils disent pas où est-ce que les écureuils cachent leur noisette. Franchement, je crois pas. Mais c'est bon, tranquille, on a assez de graille en vrai. Comptez combien vous en prenez. On essaie de faire un communisme réel. Et là tu sens quel le goût original, c'est pas mauvais. Ouais, mais quand t'as le sel, c'est le sel multiplié de même. Ouais. Ouais, ça commence à aller aussi. J'étais là en mode, oh putain, c'est vrai, on peut lécher les cookies. Ok, est-ce que... NON. J'aurais pas... Ah, ça crame tellement, moi, si je... On a décidé qu'on allait faire une genre de boucle, et que d'abord, on allait essayer de chercher des lacs. Là, on est à combien de temps? On est à 4 heures de ferry ici. Ouais, c'est ça. À peu près 4 heures. C'était mon idée aussi. On est à 5 heures de ferry ici. Si. Mec, on est à 5 heures de ferry ici. À minuit, on essaye de rentrer. Oui, je suis d'accord avec ça. En plus, ça nous fait un challenge. Et comme ça, quand on se réveille, on aura moins de distance à faire. En vrai, je suis d'accord. Non, on commence à aller dans l'autre direction, on dort sur le... Ça y est, les compromis sont faits, André. Vous vous rendez compte qu'on est à 15 minutes en voiture de faire ici? Du coup, c'est tranquille, en vrai. C'est juste qu'on a marché comme des cons. Putain, maintenant, c'est devenu un stab de soirée de merde où juste les gens, ils roulent des joints de façon nulle et... Oh, une aventure, ouais. Ouais. Si tu connais, c'était l'origine. Je suis en train de donner la concentration d'une des tâches les plus difficiles. On a perdu une vidéo. T'inquiète, gros, j'arrête de critiquer. C'est juste ma personnalité. C'est le personnage, c'est pour la série, gros. It's for the show. Do it for show. Do it for the vein. Tu vas sur ma tête, pas ça? Non. Je te protège, non, t'inquiète, je vais protéger tout seul. Ouais. Les phases de la victoire là. Franchement, donc là il est genre minuit. On a marché pendant longtemps, j'ai pas beaucoup filmé parce que ça demande d'utiliser le flash et tout, ça demande de la batterie. Tout le monde est déprimé, les gens ils commencent à argumenter pour essayer. Retourne la caméra. Les gens ils commencent à argumenter pour essayer de rentrer, mais moi je leur nique. T'argumentes particulièrement pour faire rentrer les autres? Oui, j'argumente pour faire rentrer les autres, c'est ma stratégie. Ouais, je sais. J'ai fait des choses similaires moi-même. T'en as pas marre? Tu veux pas rentrer, gros? T'es sûr, gros? Tu pourrais rentrer quand même. Surtout si tu continues en français, je vais... On voit rien, parce que j'avais plein de mettre le flash. Froid, les jambes elles font AAAAAH. Henry il a dit, il se mettait dans un mode de moine bouddhiste. Ah, il est en mode hardcore là. C'est une mode hardcore. Ouah, je me suis tapé un truc parano là avec les criquets qui commençaient de plus en plus fort et le truc devant là. Il y a quelqu'un là-bas. On dirait un truc devant, t'as vu? On est juste là et le lac est juste devant là. Bah ouais, c'est bon tant qu'on est là. Il y a des doigts du lac, bah on y va au lac alors. Soulève. Vas-y. Attendez les gars, je mets mon. Vas-y. Franchement, il y a quelqu'un. Quoi? Je suis passé. Vas-y. En vrai, le dernier n'est pas tenu, en vrai, avec le bâton. Si. Je soulève de ce côté. Je peux pas, genre, retenir un truc comme ça. On a enfin trouvé le lac grâce à Henry qui a trouvé un petit chemin sur le côté de la route. Ok, il y a un peu de gaz. Hein. Bon, on voit rien à la caméra par contre, mais le lac est énorme. Ah, mais il n'y a pas du tout de... Le lac est juste là. Par contre, il y a des mouchons partout. C'est vraiment un lac de boue. On s'est posé, on a installé une couverture. On sait pas si on va se poser là pour combien de temps. On va se poser là pour un temps déjà. Puis on sait pas si on va rentrer après aussi, on va continuer le défi. On est encore en train d'argumenter. L'eau, il roule un joint. Ça change. Et l'eau est posée. Et surtout, Arthur, ce génie, a découvert qu'il lui restait des rations dans son sac. On a eu des petites biscottes tout sèches. Non, en vrai, ça va, elles sont bonnes, c'est des biscottes de bobo là.
Regarde, on peut voir les, on peut voir les graines dedans. Oh putain, je zoome sur les graines. Oh mon dieu, mais ces graines, mais elles sont si belles quand La reverb incroyable, mec. Ok, faudrait peut-être qu'on évite de crier juste. Coucou, coucou! Ah wow! La gueule! Boum! Ça va, Henry? Mm-hmm. Tu es dead? Attends, je suis complètement con. Ok, il y a des réverbérations. Peut-être que le mec sait qu'il y a des réverbérations et d'où ça vient. Vu que c'est chez lui, vu que c'est une propriété privée. C'est vrai qu'il pourrait avoir l'habitude. Ouais, c'est ça. Je pense que si on parle normalement, un truc à l'autre rive nous entend. Ça va, mec? C'est vraiment... c'était une opération pour faire bader une voix, ou... Il en faut peu. C'est du pain elfique, en fait. C'est ça, le pain elfique. C'est un truc fade, un peu sec, qui est censé te nourrir. J'avais beaucoup de bobos, quoi. Pour de vrai, si un propriétaire maintenant il nous cherche. Mais attends, mais ta gueule, s'il te plaît! Et pas des bruits de pas. Là, on s'est complètement tous découragés. On a décidé de rentrer. Il y a 3 heures de marche, il est environ minuit 30. À Paris, on va arriver. Le 3... On va arriver genre vers 4 heures. Il y a Henri qui est devant, toujours aussi déter. Allez, je pense que ça va être pratiquement la dernière vidéo de la soirée. Bye. Je commence à avoir mal au ventre à cause des myrtilles, là je suis écœuré. Les murs. C'est les murs, putain. Après on les respecte, ils se respecteront. J'ai vite fait envie de vomir, gros. Mec, franchement, le conservatisme c'est le nouveau punk, gros. Conservatisme, c'est le nouveau punk. It's the new counterculture, mec. Ouais. Le prof de chant qui m'a appris toutes les chansons stylées et tout, c'est un gros connard misogyne et raciste qui vote à FN. Mais je m'en rendais pas compte à l'époque parce que il était ultra sympa avec moi. Parce que j'étais un petit blanc russe qui chantait bien. Il parlait aux autres membres du groupe de chant et il disait: ouais, André, vous voyez, c'est un vrai punk de maintenant parce que il fait pas comme les autres, il se met en costard. Et il m'avait dit: je pense, André, plus tard tu seras un anarchiste de droite. Je sais pas vous, mais moi je commence à vite fait à faiblir. On n'a pas beaucoup mangé. Vous voulez manger là maintenant? Ouais, on se prend un peu de. Moi je vais des choses que j'ai la flemme, mais ça fait du bien. Hein. Putain, j'ai envie de manger des myrtilles, mais je sais qu'il faut pas que je le fasse. Les murs! C'est les murs, putain. Gros, on est resté en plein milieu d'une route. On est trois, on a posé une écharpe, on a réparti un paquet de noix de cajou en cinq. On est en train de le graisser super silencieusement, une par une là. Mais t'imagines le nombre de fois que c'est déjà arrivé dans le monde? Tu veux secouer? Il va les grailler, hein. T'en représentes une quand même. On va prendre une autre. Oh l'enculé! Vas-y, allez, parti, gros. Il y a juste la gueule de faire des comptes. Non, mais c'est. C'est encore. Je viens de réaliser ce qu'on voit là. Pourquoi? Les mecs, ils mettent un paquet de chips. Ils sont assis par terre au milieu du chemin. Il y a un putain de poncho. Ils sont déjà mis du sel avant. Maintenant, ils mettent un paquet de céréales. Ils vont gratter leur part comme ça. André. Alors, attends. Prends un peu de tabac comme ça.
c'est bon le tabac, ça croustille. Passe-moi l'eau, s'il te plaît. Moi, je pleure là. J'aime les croquettes. C'est bon. Dans ce but comme moi, il y a du sel en plus. Hey les gars, la grande commune. What the fuck? Ah ouais. Date vidéo, il reste 1h18 minutes. On vient de manger notre dernière orange. Les body dead. Tout le monde est mort là, on est en plein milieu d'une route. On s'est allongé, il n'y a pas beaucoup de voitures. Ouais, il nous reste juste à grailler les myrtilles. Non ! Quoi ? T'as failli réussir ! Ça va, Henry ? Ça va, ça va. Non, mais genre, tu te sens vraiment pas capable de partir là où t'es vraiment bon. Tu veux t'arrêter ici ? Franchement, en gros, on a 1h20 si on juste on les trace. Oh putain. Puis on se sépare en deux groupes. Ouais. Vraiment, le truc le plus important de la soirée, le fait que vous, vous soyez arrêtés au milieu de ce truc, etc. Genre, tout ça, on n'a rien filmé. Je update pour le film. Henry, il était fatigué, il en pouvait plus. On était genre encore à 1h de la maison. Du coup, il s'est dit, vas-y, je vais me coucher là. Puis au final, Eloi, il a décidé de rester avec lui aussi. Genre, évidemment, pour tout ce que je vais rapporter, etc. C'est mieux. De toute façon, de pas laisser une personne tout seul. Et du coup, après, avec Louis et Arthur, on s'est déterré à courir. On a couru genre en 20-25 minutes jusqu'à la maison. Puis on a fait à bouffer. Et moi j'ai pris un vélo et je suis revenu ici en 15 minutes pour leur filer à bouffer et de l'eau surtout. Donc Louis, c'est encore chaud. Mets de la musique épique, on est enfin en train de rentrer. Eloi nous a abandonné, on a échangé de chaussures. J'ai enlevé les chaussures d'Henry parce qu'elles étaient horribles. J'ai compris pourquoi il a souffert tout le trajet. J'ai plein de sueur, fatigué. J'ai fait deux fois le putain d'aller-retour là pour aller chercher Henry du coup.